J'ai explosé le handy. Explosé le Tabs. Explosé le Spark. Où est-ce qu'il a pris? C'est parti. Je vais me diriger vers le vol. Je vais pas te voir. Mort. Congratulations. You're on the finals. It's the big. On a la chance d'être invité en avant-première pour The Finals. On va pouvoir essayer le jeu. Je vais voir un peu comment il fonctionne, si les mécaniques sont bonnes, si les armes sont bien. Déjà, j'ai pu goûter pas mal de choses. Là, ce que vous voyez défiler depuis tout à l'heure, c'est le tuto practice du jeu pour comprendre un peu les mécaniques, ce qui va se passer, ce que tu peux faire. Le fait que tu puisses détruire des objets, le fait que tu puisses te déplacer, les différents types d'armes, la thune, la monnaie, la mécanique. Le jeu a l'air incroyable. T'es vraiment hyper, hyper hypé de l'essayer. J'espère que le jeu est bien. C'est que ça nous donne une autre option en plus de Warzone. On va tester le jeu et j'espère que ça va vous plaire. Allez, go! Je me suis créé un petit perso, tu connais. Alors déjà, il y a différents builds de personnes. Tu peux avoir un perso un peu gras et tout, regarde. Pas l'intérêt d'avoir un perso gras comme ça, parce que plus le mec est gras, plus il va y avoir de surface pour le flinguer. Ça, Light One, c'est mon perso. C'est celui que j'ai créé. Afin de profiter du mode A3, Tatanus m'a rejoint ainsi que Benjamin, ingénieur développeur chez Embark Studio, partenaire des développeurs du jeu. C'est incroyable le jeu. Oh. Ah, y a pas de dégâts, j'ai l'impression. Quoi? C'est quoi ça? Frérot, il m'a explosé avec un coup d'RPG. Question, quand je clique droit pour viser, ouais. On a l'arme fait un petit zoom. Est-ce que c'est retirable ça ou pas du tout? Ça me parle pas. D'accord. Je crois pas que ce soit retirable. Mon premier kill. Il y a du recul et tout sur les armes. Hein. Ça demande du niveau. Hein. Oh, oh frérot, je... T'as failli te casser les patounes. T'as vu ce que je viens de faire ou pas? Oui, j'ai vu. Là, dans le quick play, par exemple, c'est quoi la mission du jeu, tu dirais? Toujours la même chose, essayer de trouver où sont les boîtes avec l'argent et les ramener au cash out station. Ok, trop bien. Mais j'ai l'argent. Il faut que tu essayes de trouver maintenant... Un endroit où le ranger. Ouais, mais c'est indiqué, une cash out station. J'y vais. Si t'envoies une grenade sur un mur. Ah, mais ça pète tellement les objets et tout, c'est un truc de malade. Ah, les graphismes sont incroyables. C'est un lance-flamme, bordel! J'arrive sur le flank. Je vais tenter de les cramer, gros. Je me suis fait détruire. Non, c'était un méchant. Ah non, c'est mon coéquipier qui m'a buté. Wang, c'est mon coéquipier. Il me réanime, Wang. Oh, Wang, il m'a réanimé. Je t'aime, Wang. Je vais les cramer pour toi, mon pote. Je l'ai eu. On est mort ensemble. On pourrait dire que le but du jeu principal, c'est de faire le plus d'argent tout en survivant et faisant des kills. Voilà, c'est ça. Le lore, c'est un petit peu qu'en fait, on joue pour des sponsors, des gens qui veulent gagner ces espèces de grands tournois, quoi. Ouais. Et ils veulent absolument que tu gagnes le plus d'argent. Et plus tu gagnes d'argent, en fait, plus ils te récompensent après. Hein, tu prends des objets. Comment il a fait pour s'enfuir si loin, si vite? Allez, Zach. Hop, toi aussi, tu vas y passer. Non, il m'a tué. Oh, tu te la tues pas. Let's go. Non, Johnson. Wouah, la glissade.
Comment on fait les glissades? Alors, faut que tu sois en train de courir, tu sautes et ensuite tu appuies sur CTRL pour glisser. Oh là là, ce qui met Wang. Wang, il est trop fort, frérot. Oh, eh, je me dé... ça, ça... T'as vu comment ça se défend bien, frérot? On est là! Ça commence. C'est quoi ça? Non, mais tu. What the fuck? Gros, j'ai trouvé une bonbonne de gaz par terre. Je l'ai envoyée, ça a explosé. Tous les gars, pour tous ceux qui ratent ce gameplay sur YouTube, et déjà, j'espère que vous allez kiffer. Pensez à liker, à commenter. C'est, ce sera bien. Et si vous voulez que dès que le jeu sorte, on le tryhard à mort, ben. Com, tout simplement. Ce qu'il a pris. Le double kill. Zé Sanxi. Mec, je viens de casser la map. Voilà, je suis en train de monter sur une échelle, elle a été explosée. Je suis en 1v3. Un mort. Deux morts. Ça s'est bien passé. Le lance-roquette s'est rend exceptionnellement fort. Hein. Ah, merci. Nickel. Je suis en train de voler leur cash-out, je pense. Ouais, alors... Regarde, mec, ils sont à 5 secondes de le déposer. Je leur ai tout volé. Ah. Non mais c'est incroyable. Et il y a un truc de charge où je peux passer à travers tous les murs et tout. Non mais c'est fou. Non mais c'est pas possible, il y a toute la map qui est destructible, gros. Hop. Bien joué Trilux, joli fight. Chopé un... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je mets, gros? Alors... Non, il est tellement low HP, ils se sont mis à deux sur moi. J'ai envie de perdre la vue tellement c'est beau. Ça tire à gauche, juste à gauche, les gars. Contact au bout de la rue. Il va se ressortir un kiwi. Dans le dos. Sur le toit, sur le toit. Le HP de ouf, mort. Je mets une barrière. Je peux pas. C'est bon. Oh, comment c'est ta cover. Alors, c'est parti. Je vais me diriger vers le vault. C'est pas trop loin. Mort. Je vais avoir besoin d'un peu d'aide parce que je vais derrière. J'ai plus de balles, j'ai plus rien. Deux sur moi. J'ai pas réussi à passer sur une cachette. Non, ils m'ont tué, les gars. On a deux doigts de finir le cash out. Ah. Ouais, là, ils l'ont fini lapin. Impossible de les arrêter. Nous, on est à deux tiers, il y a toujours personne qui vient. Je l'ai pété, le mec qui avait le cash out. Allez. Ah, tu l'as vu, t'es joli celui-là. Ouais. Je vais essayer d'aller au point C. Je cours sur le point C aussi. Ah, excellent. J'arrive par les toits. C'est tellement à côté de James Bond. J'ai explosé le handy.
Exploser le Tames. Exploser le Spark. Oh frérot, ce que j'ai mis. Ça donne plus de points de TZ pour le joueur. Ah, lui il est en train de looter, c'était pas le bon moment. Il va faire. C'est trop long. C'est quoi ça? Je vois bien. What? Ça c'est Andy. J'ai reconnu ton style de jeu, Andy. Ils se déplacent trop vite les petits. Ils se déplacent vite mais le gros tu peux faire vraiment tu peux faire des escapes qui sont qui font pas rire. J'ai 10 kills frérot. Le premier du serve il en a 11. Et je suis en train de le chasser le premier du serve. C'est bon, je l'ai explosé. Ouais. Ah j'adore hein. J'adore de ouf hein. C'est trop bien. J'ai joué à The Finals. Et c'est un truc de ouf. T'as trois types de personnages. T'as des personnages légers, des moyens et des comme moi, du rugbyman du sud-ouest. Les gros ont des armes plus lourdes, ils ont du lance-roquettes, mais ils se déplacent plus lentement. Les mids ont des kalachnikovs, mais se déplacent plutôt moyens. Et les tout légers, c'est pistolet avec des petites armes de cac, mais ils se déplacent à une vitesse de fou. Mais le gros, pour esquiver, il peut taper des gros sprints dans le mur et exploser tout le mur. Je voulais juste dire un grand merci à The Finals de m'avoir donné la chance de tester ça en avant-première. Je trouve le jeu fantastique. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez, quoi. Parce que moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup plus y jouer quand il sortira. On se tient au courant.